Alors bonjour à vous, bienvenue pour ce tirage du jour où nous allons regarder des messages pour vous avec différents oracles, peut-être des messages de votre autre. Nous allons regarder votre énergie, l'énergie de votre autre et l'énergie de votre lien avec des Lenormand. Puis nous compléterons les messages avec du tarot. Je vais également mettre une petite étoile filante durant la vidéo pour que vous puissiez faire un vœu. Je vous souhaite la réalisation de celui-ci. Je vous demande bien sûr de toujours garder votre bon jugement. Surtout, j'espère que vous prendrez plaisir à ce tirage. Donc, je place les cartes. Si vous le désirez, vous pouvez rester avec moi. Sinon, vous pouvez passer directement à l'interprétation et c'est parti! Alors, nous allons débuter l'interprétation avec l'énergie générale du jour, l'énergie du canard. Rien ne vous atteint, vous ne laissez rien paraître et l'information parfois vous échappe. L'impression que peut-être les autres ne voient pas exactement à quel point vous êtes dans l'émotion, parce que l'eau du canard, c'est aussi l'émotion. Donc, vous essayez de garder peut-être un masque, une façon de faire pour éviter que les autres devinent à quel point peut-être vous êtes émotive et que les émotions peut-être sont très présentes aujourd'hui. Donc, deux Lenormand. Un pour vous, madame, vous êtes ici. Un pour vous, monsieur, vous êtes là. Vous inversez si vous avez une énergie plus féminine ou masculine. Pour madame, j'ai l'impression que vous avez une intuition, c'est ça aussi l'étoile, que quelqu'un ne vous dit pas tout. Puis ça, ça vous irrite, ça vous dérange, parce que le foie, là, c'est quelque chose qui dérange. On a comme besoin de faire du ménage dans tout ça et d'y voir un peu plus clair. Puis je pense que la façon que vous prenez pour y voir plus clair, c'est de prendre votre cigogne et de dire « OK, on va y aller avec un renouveau, une façon différente de faire ». Peut-être que vous laissez aller un peu ces choses-là, parce que je pense qu'il y a du lâcher-prise. Vous tournez quand même le dos, il y a du lâcher-prise. Oui, il y a probablement quelque chose qui s'est dit
qui s'est fait ou qui ne s'est pas dit. Donc, comme je vous disais, il y avait peut-être des non-dits. Mais vous choisissez un nouveau départ. On regarde la façon, le problème, la façon de faire de façon différente et on a un renouveau. C'est ce que je pourrais voir pour vous, madame. Pour vous, monsieur, écoutez, il est entre la clé et le pont. Sa solution, c'est d'aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Je pense que, oui, c'est peut-être du romantisme, de la douceur, le désir de se rapprocher de vous, de traverser le pont, mais il ne vous l'a probablement pas dit. C'est peut-être ça parce qu'il est quand même proche du masque. Ça vous a peut-être dérangé. Peut-être que vous ne savez pas quelle est l'intention de votre autre, mais sa clé est quand même là. Il veut le faire. Il semble très présent sur ce pont, donc prêt à traverser quelque chose, à changer des choses, à modifier des choses. Je pense qu'il est prêt à s'engager et il va utiliser ces stratégies-là pour pouvoir se rapprocher et venir vous voir, comme je vous dis, avec beaucoup plus de douceur et de romantisme. Pour ce qui est du Lenormand de votre lien, écoutez, vous êtes un en face de l'autre, vous vous regardez. J'ai l'impression que si vous êtes en silence radio, vous pensez beaucoup un à l'autre. Monsieur pense de revenir, hein, il y a le pont, le bateau, de traverser quelque chose. Peut-être même vous allez être capable d'avoir une discussion franche et honnête sur quoi? Sur des enfants, sur l'engagement, sur un déménagement, un rapprochement. Ça, c'est des grandes sphères de vie, mais parfois s'engager aussi, c'est juste de dire on va peut-être se voir un petit peu plus, on va discuter davantage, on reprend la communication, donc ça c'est possible et ça va être fait de façon, comme je vous dis, avec le bouquet, beaucoup plus doux, beaucoup plus léger. Cette cigogne-là, quand elle s'installe, on dirait qu'elle s'installe avec beaucoup de douceur, mais elle prépare son nid. Donc, je pense que ça va être des discussions que vous allez avoir et il va peut-être venir vers vous pour discuter de tout ça. Ici, trois cartes de tarot pour vous, trois cartes de tarot pour votre autre, pour préciser les messages. Pour vous, nous avons la mort, la roue de fortune et la sept de pentacles. Donc, deux arcanes majeures. La mort, il y a vraiment une transformation. Tu sais, quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui dérangeait, si vous êtes une femme, là, s'il y a quelque chose qui dérangeait, on décide de passer à autre chose, de prendre notre cigogne, c'est ça la mort. Il y a un avant, un après, on transforme quelque chose, on change. Des fois, on change notre attitude, notre façon d'agir, notre façon de réfléchir, notre façon même de regarder une problématique. Quand on se tourne et on dit, OK, on va faire autrement. Donc, c'est ça la mort. Et il va y avoir quelque chose qui se prépare dans l'univers. Quand vous allez faire cet acte-là de transformer quelque chose, bien, l'univers va mettre la roue de fortune en branle et il y a quelque chose qui va vous arriver de bien. Ça va être lent par contre, parce que la sept de pentacle, c'est très lent. On plante notre graine, on attend, on est patient. Mais on le sait par exemple que c'est pas une patience vaine. Vous savez, des fois dans la vie, on attend après quelque chose, puis on se dit, ben ça arrivera pas. Mais là, vous le savez que ça va arriver, ça va débloquer, il va arriver quelque chose. Mais l'oracle vous dit d'être patient ou patiente. Pour votre autre, nous avons le roi d'épée, la sept de bâton, et le magicien. L'arcane majeur dans les trois cartes, c'est le magicien. Donc, un renouveau, un début qui va peut-être être différent. Il va aussi laisser aller un petit peu la magie dans tout ça, parce que le magicien, il peut même être très, comment je vous dirais ça, capable de nous mettre de la poudre aux yeux. C'est un peu ça, cette façon-là que je le vois. Fait que notre roi d'épée qui arrive avec ses certitudes, ça, une maturité, mais une maturité au niveau de sa pensée, de sa façon de faire et d'agir dans sa tête. C'est pas quelqu'un qui va vous arriver puis vous ouvrir son cœur puis dire avec beaucoup de romance, comme je vous disais, il va tenter de le faire, mais il va quand même vous parler beaucoup de ce qui se passe dans sa tête et à quel point il a résisté peut-être à ce nouveau début-là. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'il va faire comme ça en se lançant dans le vide. Hein? C'est pas la carte du fou où on se laisse aller sans trop réfléchir. Le magicien, il est très concentré à la tâche. Il tente de faire circuler l'énergie pour ce renouveau parce qu'il a résisté longtemps. Il a résisté et il va vous le dire, je pense, avec des mots, avec sa réflexion. Quelle a été sa réflexion de roi d'épée? Pourquoi il a résisté à ce nouveau début? C'est ce que je peux voir. Autre petit message, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi.
Est-ce que ça va être ça, le nouveau départ que vous allez faire? Vous étiez beaucoup dans penser à peut-être à la famille, au couple, à l'autre, s'oublier peut-être pour l'autre, mais là, vous allez avoir pris la décision, probablement avec cette cigogne, de prendre du temps pour vous. Autre message, avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela se pourra concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Ça, c'est notre magicien. Le magicien qui est prêt à créer quelque chose. Créer, oui, ça peut être un bébé, mais créer un projet d'être peut-être mieux, d'être différent dans notre façon de fonctionner, de créer peut-être un accord entre les deux parce qu'on avait quand même l'anneau dans votre Lenormand du lien. Autre petit message, je me noie dans le travail pour t'oublier. Est-ce que c'est ça qui va vous dire ce roi d'épée-là qui est très tranché? Ce qui va vous dire... J'essayais d'oublier les choses, donc ce que j'ai fait, j'ai travaillé beaucoup, j'ai essayé de résister aussi, j'aurais pu mettre la carte entre les deux, mais de résister, et tout ça, c'était pour m'éloigner peut-être de ces pensées-là qui étaient inconfortables sûrement pour une période. Donc, petit conseil du jour, intimité, rêve et intuition. On retrouve encore l'étoile ici. Donc, c'est les rêves, c'est l'intuition, c'est de se sentir guidé aussi. Donc, vous allez avoir une boussole intérieure qui va vous guider vers ce que vous devez faire durant cette journée du canard. Alors voilà ce qui complète votre tirage. Donc si vous voulez me soutenir et que vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce. Pourquoi pas vous abonner, c'est gratuit. Je vous remercie de votre précieux temps et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage.